Et lorsqu'il va revenir, votre vie sera agréable à lui, il pourra travailler. Donc, c'est ça le point. Parce que la main de Dieu est ouverte. Il a dit, quand il mangeait avec les gens de mauvaise vie, les douaniers, pour pas de la parole, il mangeait avec ça. Les disciples de Jésus sont venus vers lui. Ils ont demandé, pourquoi cet homme-là, il est venu aussi, mais il mange avec les gens de mauvaise vie comme ça. Et Jésus leur répondait. Il a dit que ce n'est pas pour les gens qui se portent bien que je suis venu, mais je suis venu pour les malades. Qui sont ces malades-là? Ce n'est pas celui qui est couché sur la qui est malade dont le Seigneur était en train de parler, mais c'est ceux, les voleurs, les menteurs, ceux qui commettent des fautes. Ce sont les malades qui viennent en train de parler. Il est venu pour cela. Quel que soit le péché dans lequel tu es, si tu vas, tu humilies, tu reconnais ton péché. Ce n'est pas Jésus qui est le péché. On devra abandonner les ressources. On peut dire carrément que c'est pas que j'ai oublié les paroles. Parce que la vie est. Mais pas encore ma soeur là. Moi, je ne veux pas dire que je veux. La Bible a dit que le Père est un mensonge. Le Père est un menteur, c'est le diable. Le diable, Satan, c'est lui qui est le Père, le menteur. Mais vous savez pourquoi, par votre propre force, là, vous ne pouvez pas abandonner le Père. Si c'est oui, par votre propre force, c'est-à-dire, vous comprenez son nom. Parce que
mais le premier, donc maintenant, on peut dire, ouais, non, mais où est-ce que tu vas être présent, mais toi? Et où est-ce que tu as mis, bon, mais là, tu vas d'abord, non, mais là, tu dois me boire, non, mais il doit aller très vite au présent, que nous, pour aller les érosions, il y en a, pour tout le monde, les érosions, il y en a beaucoup. Je suis allé au boulot et je le dis directement. Ah, ça ne me va pas et je suis tombé à l'hôpital. Est-ce lui? Pas quoi cela? Pas quoi cela? Le ciel là, c'est les violents qui viennent. Si toi-même, selon toi, tu sais qu'à la fin de ta vie, tu vas aller au ciel, tu vas aller au ciel. Tu dois commencer par abandonner les notions. Quand tu vas dire à ton patient, tu ne te sens pas bien. C'est une vérité que tu as dit. Mais toi, ne cherche pas à mentir pour faire le bien des autres. Peu importe, ne cherche jamais à mentir pour rendre les autres heureux. Parce que tu mets toi ta vie, ton âme. Même si tu as fait la chose et ça va te conduire à la mort là. Dis que oui, je l'ai fait. Ce n'est pas à cause des hommes, ce n'est pas à cause de ceux qui sont devant toi, mais à cause de Dieu qui est dans les cieux. Et il est plus revenu à la raison, il est mort. Tu vois, ça veut dire que personne ne détient le souffle. C'est Dieu qui détient notre souffle. Il peut prendre ça à n'importe quel moment. À cause de cela, toi, il faut marcher selon la volonté de Dieu. Peut-être si tu mens là-bas et tu meurs, là où tu as menti, tu meurs, tu vas aller. La Bible a dit, tu fais le menteur, c'est le diable. Et tu as menti, et tu es mort dans le mensonge, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Un, si tu n'as pas Jésus, deux, tu mets une vie de mensonge. Si tu meurs dans cette vie, tu vas aller en enfer. L'enfer est terrible. Ce n'est pas ce que l'on voit ici. L'enfer, c'est un feu. Et c'est éternel. Et il y a déjà des âmes qui sont déjà mortes, qui sont déjà mortes. Si on leur donne encore la grâce de venir et de mener une vie de vérité là, ils vont le faire puisque nous qui sommes vivants. Donc mon frère, on peut mentir à cause des hommes, juste pour être justifié devant les hommes. Mais fais-le à cause de Dieu. D'accord? Fais-le à cause de Dieu. Sans avoir. Est-ce que tu seras au courant de. Elle a voté ou. On suppose que vous avez déjà fait des alertes. Elle a bien dit. Ça arrive des fois. Elle peut aller se coucher avec un autre. Est-ce que tu crois que tu seras au courant qu'elle a avorté? Parce que vous avez parlé de l'avortement, vous avez dit que l'avortement, c'est pas que je suis contre. D'abord, vous avez toutes des communes de publicité. Et pourquoi j'ai parlé de copinage tout à l'heure? Parce que d'abord, la fille n'est pas ta femme. Tu ne l'as pas dotée ou bien tu l'as dotée. Vous avez déjà fait ça. Non. Regarde bien comment Jézabel fonctionne. Le Seigneur fait que j'ai laissé les bijoux sur le bureau pour aller travailler. Mais la dame, elle est encore venue avec les deux bijoux. Elle est venue vers moi, elle me dit que tu as laissé les bijoux là. Il faut prendre ça. J'ai laissé, elle dit ça, c'est deux j'ai vu. Je vois que l'autre là, c'est dans mon sac. Elle dit non, c'est deux pieds là. Elle a pas laissé, elle est partie. Et j'ai mis, solo de jeter ça là. J'ai encore mis ça dans la boîte à vitre. C'est là maintenant, le lendemain, j'ai encore pris les bijoux. J'ai mis ça. On a deux milliers pour des nains. Vous avez un peu d'accord là, vous mettez. D'accord, on est mal, on a dit, 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 on a dit
Et où est-ce que tu t'en pas à l'heure? Quand toi, il y a un tarif. Mais on blague, il y a nous, pas ça. Le Seigneur dit qu'il faut vivre dans la sanctification. Il faut s'abstenir de l'impudicité. Et que notre corps, hein, le corps que nous avons là, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons compter les cheveux qui sont sur notre tête? Donne-moi mon gloire. Et où est-ce bon? Et où est-ce que tu as? Bon, et les voix font. Et les voix, regarde. Bon, il y a des gens. Déjà, il y a un beau domino. Il y a six ans, il y a deux ans. Il y a six ans. Bon, il y a deux ans. Et les courants sous forme Saint-Esprit. Ils m'ont dit le pauvre. Mais le pauvre, il est en bleu à son nez. De marcher avec lui, mais vous vous voyez encore dans des problèmes, vous voyez encore dans des situations, tout vous passe. Jésus vous appelle, il vous appelle, il vous dit venez à moi, parce que ce qui est dangereux dedans, c'est que quand on rejette l'appel de Dieu là, en fin de compte, le regret est trop grand. Le regret là, c'est ça. Si Jésus, je dois parler, forcément il faut que je parle avec toi. Comme un père qui doit parler à son enfant. Et s'il n'arrive pas à parler avec toi, ça veut dire qu'il y a des relations qui sont coupées entre toi et ton Dieu. Parce qu'il dit que les gens qui vous parlent de ton corps et le temple de cet esprit aime le lieu qui est sain et propre. Ouais, mais, hein? Ça veut dire que si tu mets les choses de ce monde-là, comme nous venons de citer déjà, sur ton corps, ça veut dire que tu as chassé le Saint-Esprit. Mais tu dois te dévestir de ce parce que la grâce est toujours disponible à toi. Pour que tu puisses revenir à ton père. Et la grâce entre toi et ton père qui puisse te parler est plus disponible. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans bon, ceux qui sont dans nous aujourd'hui, sans avoir répandu de toutes ces choses, ce n'est pas pour moi la femme de l'éternel. Et toi, c'est ce que tu veux dire, mais tu n'as pas fait cela. Si tu ne veux pas aujourd'hui, tu vas te croire ce que je suis aujourd'hui, tout à l'heure même, même pas aujourd'hui, tout à l'heure même, tu es capable de te purifier, à te pardonner. Alors, si tu veux, tu peux te faire. Tu peux te faire.
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
C'est vrai que beaucoup de catholiques disent ça, beaucoup de chrétiens disent ça. Mais il a dit ça parce que pourquoi? C'est ça que je vous ai expliqué depuis le départ, que c'est l'œuvre de la croix qu'il est venu accomplir. Quand il a fini d'accomplir ça, il a dit Père, pardonne-moi. Mais quand vous dites que dans l'église catholique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à part, ils ne sont pas à part, c'est là l'erreur. Parce qu'il a dit, nul ne part au Père sans passer par lui. Et le Père est en lui, il est dans le Père. Je vais vous lire. Qui nous voit, il a vu il le a Père. Il a vu le Père, oui. Voilà. Il pas, mais ils ont dit que eux trois, ils font un. Ils font un. Et maintenant, bon. L'Esprit n'est pas à part. Oui. Et vous avez l'enfant dit. N'est pas à part. Le Fils n'est pas à part. Ils sont un. Parce qu'ils sont le même Père. Par exemple, toi, un exemple. Tu as ton corps, tu as l'Esprit. Et tu as quoi? L'âme. Âme, esprit et corps. Mais est-ce qu'ils sont séparés? Ils sont en toi, non? Est-ce qu'ils sont départagés? Est-ce que je peux prendre ton corps à pas mettre là? Vous dites ton corps, viens, je vais te parler. Bon, âme là, toi reste là. L'esprit aussi, toi reste là d'abord. Je vais parler d'abord au corps. Mais vous formez un. Parce que je ne peux pas aller appeler ton corps à pas, ton âme à pas et ton esprit à pas. Vous formez une personne qui est toi. Toi, je peux te voir. Est-ce que je vois l'esprit là? Est-ce que je vois ton âme? Mais ils sont tous en toi. Et vous faites quoi? Merci. C'est simple. Sache qu'il prouve que Jésus-Christ est le Dieu suprême lui-même. Allons dans 2 Jean. Tu sais lire? Ok. Vous allez lire. Ici. 2 Jean, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Là où Philippe parlait, là, vous allez comprendre que Jésus-Christ est Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire votre Bible. Parce qu'un prêtre peut te mentir, un pasteur peut te mentir, mais ça, là, ça ne peut jamais te mentir. Parce que la parole même est Dieu au commencement. Le Seigneur a fait quoi? Le ciel et la terre ont été créés par quoi? La parole. Donc, si tu as ça, c'est Dieu, tu communiques même avec Dieu, puisque c'est sa parole. Donc, lis ta Bible et laisse le prêtre ou ton oncle qui est prêtre ou bien pasteur là. Laisse-le. Mets ta confiance en ici. Le salut est personnel. Voilà, ici. Jean 14, verset 8. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est bon, gloire à Jésus. Cette parole avait-tu quoi? Par exemple, vous êtes amis, toi et puis ton ami, comme vous êtes, vous marchez ensemble tout le temps. Et à chaque fois, tu ne fais que parler de ton père. Mon père. Donc celui-là,
mais c'est, il n'est pas tout le temps de ton père. Maintenant, il va te dire, mon frère, mon ami, montre-moi ton père, je veux le connaître. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais l'amener. Chez toi, et lui présenter ton père. Mais ici, ça n'a pas été le cas. Non, ils ont dit que celui qui a vu. Ici, il a dit, ici dans la Bible, il a dit, quand lui t'a dit d'amener chez toi pour lui montrer ton père, tu as dit, mais depuis si longtemps, tu es avec lui, il n'est pas point connu. Ça veut dire quoi? Et que celui qui t'a vu a vu le père. Ça veut dire que c'est lui-même le père, non? Ou bien tu n'as pas compris? Oui, sinon, il allait te prendre pour dire, ah papa, je vais te présenter mon ami. Mais je repentis comme je t'ai dit. Et le Seigneur maintenant va te tendre l'oreille. Maintenant, après ça, il y aura le baptême. C'est le baptême au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, c'est tendez l'oreille ici. Le baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth, seul qui peut donner le Saint-Esprit. Mais le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit ne peut pas te donner le Saint-Esprit parce que déjà il y a la division. Tu as divisé Dieu. Il a dit quoi? En mon nom, au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Vous guérirez les malades. Vous ferez des miracles. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Donc nous devons faire toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le baptême aussi se fait au nom de Jésus pour que tu aies maintenant le Saint-Esprit. Parce que comme Jean-Baptiste a baptisé Jésus, et quand il a fini son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. De la même manière, un enfant de Dieu doit passer par les étapes-là avant de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va descendre sur toi, qui va être avec toi. C'est ça, il va te donner la crainte de Dieu. Ça veut dire quand tu veux faire un acte de péché, l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu auras la crainte, va mettre la crainte et tu vas dire non. Mm-hmm. Même si tu t'entêtes, tu le fais, sur le champ, tu vas te repentir. C'est ça. Donc, le Saint-Esprit aussi nous donne quoi? Ça veut dire, si tu étais quelqu'un qui aime la colère, quoi, le Saint-Esprit va te donner la tempérance, la douceur. Le Saint-Esprit, par exemple, la paix que tu cherches là, depuis dans le monde, tu ne trouves pas. Le Saint-Esprit va t'apporter ça. Parce que c'est l'air. Tu as bien répondu. Il y a deux endroits quand même, deux endroits possibles où l'homme se retrouve. Donc il y a. Merci mon ami, il y a l'enfer et le paradis. Mais avant d'aller au paradis, avant d'aller à l'enfer, ça dépend de comment tu as payé. Maintenant, entre l'enfer et le paradis, lequel choisissez-vous? Le paradis. Tu as bien répondu. Et toi? Le paradis. Je suis d'accord avec vous. Vous avez bien choisi. Il y a deux endroits. Il y a le paradis et il y a le ciel. Mais ce que nous devons chercher, c'est le paradis. Vous savez ce qu'il faut faire pour aller au paradis? Vous savez ça? Vous savez? Dis-moi ça un peu. Il faut avoir la foi. Il faut avoir de bons comportements. Il faut avoir de bons comportements. Il faut prier. Il faut encore faire quoi? Pour aller au paradis. C'est fini? Voilà. Ce que vous avez dit, c'est pas faux. Pour aller au paradis, il faut avoir de bons comportements. Mais le bon comportement là ne suffit pas. Tu peux avoir le bon comportement et dans ton quartier, tout le monde t'a fait. Tu t'appelles petit Jésus, mais tu n'iras pas. Avant d'aller au paradis, la première condition, c'est d'accepter d'abord Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Donc, j'accepte d'abord Jésus-Christ. Je donne ma vie à Jésus-Christ et je l'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne toute ma vie à Jésus-Christ. Mais en plus de ça, je vais ajouter à ça là, le bon comportement. Okay? Dans le bon comportement, il faut éviter de manger les petits vols de bonbons, de biscuits, de petits argent à la maison là. Il faut éviter ça. Mentir, il faut éviter ça. Les mensonges là. Et que dans le temps, il lui avait posé la question, puisque nous on l'a fait lire Exode 20, sur les commandements qui interdisaient les images taillées. Et que l'oncle a dit comme quoi, il n'a pas pu donner une réponse. Et que par la suite, il est revenu dire que ceux qui ont fait les statues, que c'est des quoi? Des esprits saints. Que c'est un esprit saint. Ils ont l'esprit saint.
C'est pour ça, c'est l'Esprit Saint qui a fait les images taillées. C'est l'Esprit Saint qui ont fait des choses là. Voilà, qui ont fait les croix. Donc c'est fait avec l'Esprit Saint qui a fait les croix. Donc voilà la réponse qu'il a pu donner à son neveu. Que lui aussi, il a cru. Parce qu'il dit, il se fit un moment, quand il a lu le verset, il a jeté. Mais l'oncle est venu dire le contraire. Donc il a repris encore sa croix pour porter. Donc aujourd'hui, je pense que les écailles sont tombées de ses yeux. Il a compris. Donc lui-même, il a retiré sa croix avec le bracelet. Et il veut confesser Christ. Parce qu'il dit, crois que Jésus est Dieu. Après, on lui a parlé avec les versets bibliques à la pluie. À la pluie, il a cru. Donc il veut confesser Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Shalom, mon frère, sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Jésus-Christ a dit qu'il connaît ses brebis. Et ses brebis reconnaissent sa voix. Alléluia. Et quand on dit ça, ce n'est pas que tout le monde fait partie des brebis de Jésus. Non. Mais Jésus connaît ceux qui l'appartiennent. Et quand ceux-là entendent la voix de Jésus, ils reconnaissent que c'est la voix de Jésus, non la voix d'un homme en train de leur parler. Parce que vos âmes ont reconnu que non, c'est le maître qui parle, qui a fait que sa présence vous a maintenu sur place jusqu'à ce moment. Si c'était la chair, vous ne serez plus ici. On est d'accord. Donc, reconnaissez que ce que vous voulez faire, ou bien ce que vous aviez démarré déjà, c'est très très important. Le ciel est content de cela. Le ciel est heureux de vous avoir laissé toucher par la parole de Dieu, toucher par la puissance de la sainte doctrine. Jésus, ce véritable Dieu, a touché votre cœur aujourd'hui. On est d'accord. Donc, ne retournez plus jamais dans ce crucifix-là. Ça, c'est faux. Des arguments qu'on t'a donné que c'est le Saint-Esprit qui a fait croire tout ça, tout ça. Est-ce qu'on t'a montré un verset biblique à la vue pour attester cela, pour appuyer cela? À partir d'aujourd'hui, quand les gens vous avancent des arguments, demandez preuve dans la parole de Dieu. Demandez où est-ce que c'est dit dans la parole de Dieu. Tant que la personne ne vous a pas montré un verset clair comme ça pour soutenir son argument, n'acceptez pas. Parce que la sagesse de l'homme ne peut pas justifier la connaissance de Dieu. Non. La sagesse de l'homme n'est que folie devant Dieu. Mais la sagesse de Dieu, c'est de retourner dans sa parole. Sans ça, n'acceptez pas. La parole de Dieu a refusé ce crucifix-là. Il a refusé. Ce n'est pas les autres seulement. Quand on va encore dans Deutéronome chapitre 7 là, et vous voyez chapitre 5, chapitre 7, Exode, Lévitique, 26, verset 1er, tout ça. Vous voyez les recommandations que Dieu a données concernant les personnes chez qui on va retrouver des crucifix, des statues, des autels, des choses comme ça. Dieu a dit, ne les imitez pas. Mais voici comment vous agirez à leurs égards. Vous briserez les statues. Vous casserez les statues. Et vous renverserez les autels. Vous briserez les images au feu. C'est l'ordre que Dieu a donné envers les statues, les images, les chapelets qu'on fait porter. C'est l'ordre qu'il a donné envers ces choses-là. Brûler, casser, renverser. Maintenant, regardez aujourd'hui comment ces choses remplissent l'église, les églises catholiques aujourd'hui. Regardez. Dieu a-t-il demandé de placer ça dans l'église? De placer ça dans nos maisons? Il nous dit de les casser, de les renverser, de les brûler. C'est ce que lui a dit concernant ces choses-là. Qu'est-ce que nous devons faire avec les statues? Nous devons les casser, les briser, les jeter. Parce que Dieu lui est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenez que ça, c'est une fausse doctrine qu'on vous a racontée. Et avec ça, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Mais le Seigneur Jésus qui vous connaît et qui veut que vous entrez dans son royaume a permis que vous puissiez entendre maintenant la vérité. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchira. Je pense que c'est ce qui vient de se passer tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, j'ai juste fait ce résumé pour vous permettre de vous concentrer pour ce processus de conversion de foi que nous voulons faire. Amen. Je vais prier avec vous. Et vous, mais vous n'allez pas vous taire. Vous allez aussi répéter après moi pour que le ciel soit témoin que oui, vous avez vraiment confessé Christ. Pour que le dernier jour, quand le diable va vous compter parmi les idolâtres de l'église catholique que lui veut conduire en enfer. Comme ça, ce jour, cet événement peut servir de témoignage pour vous sauver. Ce dernier jour, on est d'accord. Voilà pourquoi tous ensemble, nous allons parler
à Dieu. Donc vous allez répéter après moi. Je prie que tu enlèves d'abord ton chapeau et nous allons prier. Amen. Donc vous allez fermer vos yeux et concentrez-vous et répétez après moi. Dites, merci mon Dieu, créateur des cieux et de la terre, que ton nom soit glorifié. Merci pour ton amour. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique. Mourir à la croix pour moi. Enterré. Et le troisième jour, tu l'as ressuscité des morts. Je crois en cela. Je crois que c'est pour moi qu'il est mort. Et c'est pour moi qu'il est ressuscité. C'est pourquoi je viens au pied de la croix. Et je te demande pardon. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Mais aujourd'hui, j'implore ta grâce sur ma vie. Je te demande pardon. Pardonne-moi tous mes péchés, mes iniquités, mes transgressions, mes fautes, mes erreurs que j'ai commises depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Pardonne-les-moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie. Lave-moi par ton sang. Purifie mon âme. Sanctifie mon âme. Change ma robe. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Sois mon Dieu. Mon Seigneur. Et mon Sauveur. Je t'accepte aujourd'hui. Dans ma vie. Seigneur Jésus, donne-moi ton Esprit Saint pour m'aider à te suivre dans l'obéissance, dans la fidélité, dans la sainteté, jusqu'à ton retour. Seigneur Jésus-Christ, efface mon nom du livre de la mort. Efface mon nom du livre de l'enfer. Efface mon nom du livre de la condamnation. Et écris mon nom dans ton livre au ciel. Dans le livre de vie. Accepte-moi tel que je suis. Et donne-moi le cadeau. Le don gratuit de la vie éternelle. En Jésus-Christ. Je confesse et je déclare que je suis devenu un enfant de Dieu. Par conséquent, je me sépare avec les choses de ce monde, avec le diable et ses ruses. Et je prends l'engagement de marcher avec le Seigneur Jésus dans la sainte doctrine jusqu'à son retour, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est très bien. Qui est en train de sentir une joie? Une joie. Je sais que quelqu'un sent la joie. Toi, tu as senti la joie. Ah, ça, c'est merveilleux. Cette joie-là, ça vient directement du ciel. Parce qu'aujourd'hui, votre âme a vu la lumière. Aujourd'hui, votre âme est heureuse de se retrouver sur le chemin du ciel. Sinon, l'âme était triste. Vous savez pourquoi? Des fois, l'homme a la joie. Mais ton âme est triste. Tu n'as pas la joie intérieure en toi. Pourquoi? Parce que l'âme voit de loin ce qui va arriver. L'âme sait que malgré tout ça là, sa destination, c'est-à-dire la destination de l'esprit, de là où tout ça va conduire ton esprit là, c'est l'enfer. Pourquoi elle est triste? Ton esprit en toi-même est triste. Mais maintenant vous allez voir que vous allez vous sentir soulagé. C'est comme si on vous a déchargé. Comme si une lumière est venue éclairer votre cœur. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est très bien. Je vais vous recommander entre les mains du Seigneur pour que le Saint-Esprit lui-même continue son travail avec vous. On est d'accord. J'allais prier pour moi. Ok. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus,
L'Éternel, notre Dieu, notre roi. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions pour la vie de nos frères. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Tu as dit que tu connais tes brebis et tu te connais également. Tu as dit qu'avant que l'œuvre a sonné, même si parmi les 100 brebis, une seule sort de troupeau, tu es capable de laisser les 99 et d'aller chercher la seule brebis perdue. Éternel, mon Dieu, aujourd'hui, tu as cherché des enfants. Tu les as retrouvés en ce lieu, Seigneur. Tu as touché le cœur. Ils ont compris que c'était toi-même qui les parlais. Ils ont compris que c'était toi-même. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, de tout péché, que ton esprit, Seigneur, veille sur les âmes, au nom de Jésus-Christ. Je te prie maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui, Seigneur, va se lever, Seigneur Jésus-Christ, de tout péché, depuis la famille paternelle, depuis la famille maternelle, Seigneur Jésus-Christ, que nous avions semé. C'est toi qui peux arroser, c'est toi qui peux faire croître. Seigneur éternel, notre Dieu, arrose cette semence dans le cœur, arrose-la dans le cœur, arrose-la maintenant, pour que ce qu'ils ont entendu puisse porter de fruits, pour qu'eux-mêmes deviennent des témoins oculaires, afin d'être embrasé par le feu de ce réveil et commence à parler de toi. Écoute-moi. Au nom puissant de Dieu, délivre de ce système de bâtiment, Seigneur. Ramène-le dans le bien. Ramène-le de la scène de puissant. Sois puissant. Seigneur, au nom de Dieu, démarre cette marche. Le diable n'est pas d'accord. Quand le Dieu doit se Seigneur, je déclare. Seigneur, pour tes chemins. Seigneur, devant les tentations. Seigneur, soutiens-le. Tu as dit que tu agis dans nos faiblesses. Agis dans leurs faiblesses. Là où ils se sont retrouvés faibles, toi manifeste ta puissance. Délivre de toute forme de tentation. Merci. Seigneur, commence par embraser le cœur. Et maintenant, Seigneur, afin que qu'on va rougir maintenant pour la Seigneur. Et devenir des témoins oculaires pour toi. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, nous recommandons, Seigneur, leurs allers-retours dans tes mains. Amen. Seigneur, veille sur à partir de maintenant. Amen. À partir de maintenant, Seigneur, leur nom est retiré de toute liste de famille, de toute liste des hôtels de leur famille. Que leur nom soit retiré maintenant. Amen. Afin que ceux-ci, Seigneur, soient libres de t'adorer. Amen. Et de te servir au nom de Jésus. Merci. Barrières invisibles qu'on a déjà marquées dans leur famille, que personne n'ira à tel endroit où personne ne sera assis, c'est-à-dire que ces barrières soient brisées devant eux. Que toute forme de malédiction familiale qui pesait sur leur vie soit brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Afin que Seigneur nos frères puissent te servir dans la vérité, dans la liberté totale, puissent ressentir la joie qui est en toi pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur parce que tu nous as offert. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Amen.